faire une pâte à fruits à l'huile d'olive. Et on va combiner la pectine jaune comme élément gélifiant qui va nous donner la texture de pâte à fruits. Et Naturemul, c'est un émulsifiant qui va nous permettre une correcte émulsion entre les parts d'eau et la part d'huile de la recette. On commence en mélangeant dans un bol la pectine avec 5 parts de sucre. Ça va nous permettre la correcte intégration de la pectine dans la base. On mélange bien et on va commencer à chauffer la part d'eau de la recette à 40 degrés. C'est une bonne température pour intégrer et diluer notre pectine. Petit à petit, on verse la pectine et le sucre dans l'eau et on mélange bien. À continuation, on va ajouter aussi la glucose liquide. On mélange bien jusqu'à ce que la glucose elle est bien diluée. Et on va porter le tout à ébullition. De côté, on va mélanger l'huile avec le Naturemul, l'acide citrique qui va activer notre pectine et le sel. Il faut bien mélanger jusqu'à ce que tous les ingrédients sont bien dissous. Au moment où la base commence à bouillir, on ajoute le reste du sucre petit à petit pour éviter de basser trop la température. Au moment où tout le sucre et dans la base, on va porter à 105 degrés. On verse le tout dans une carafe et on va commencer à émulsifier petit à petit pendant qu'on ajoute l'huile jusqu'à avoir une émulsion parfaite. On verse sur une petite plaque et on va laisser gélifier 24 heures au dehors du frigo pour une correcte gélification. Au moment où c'est bien gélifié, on va découper des petits morceaux et on va les enrober avec un tout petit peu de sucre.